Voilà, c'est dans ce compartiment du jeu que Nalbandian. Et la différence, puis c'est un joueur qui est surtout plus constant que Gastón Gaudio. Par le passé, on l'a vu parfois, entre guillemets, disjoncter, c'est-à-dire sortir de sa... C'est parfaitement bien joué, bien vu. Très bien fait. Ouais, mauvais rebond. Fort bon, balle qui s'est écrasée. Allez, superbe. En revanche, il a vraiment la faculté pour exécuter cette volée. Il se situe derrière la ligne de service pour faire cette première volée. Ça ne l'a pas découragé, mais il est encore pris, David Nalbandian. Parfait. Ça fonctionne bien, hein, ce service oui. Extérieur. Ouais. David Nalbandian qui a décidé d'assurer, hein, sa première balle en ce début. Bien fait de la part de Gaudio, la contre-amortie, balle de break en faveur. Ah oui, encore une fois, cette défense avec son lift et break réussi. Oui. Bien attiré au filet par cet amorti. Oh, superbe. Et il va falloir qu'il revienne à ce... Ah oui, magnifique dans le contre-pied de David Nalbandian. Et vraiment deux derniers jeux absolument parfaits pour Gastón Gaudio dans ce premier set.
Il oublie sa tactique de base et il revient à un jeu classique en accentuant côté revers. Et là, face à Gaudio, ça ne pardonne pas. Ah, décidément, il avait glissé déjà l'autre jour face à Leighton Hewitt. C'était où? Ouais, bien fait de la part de l'Albordion malgré toujours cette belle défense. C'est superbe. Superbe défense et notamment en bout de course. Superbe. Et c'est fait. Cette fois, il a réussi à être suffisant. Superbe, bien vu. Alors c'est tout simplement modifier légèrement sa prise de raquette. On sait que la plupart de ces joueurs jouent avec des prises extrêmement fermées. Donc il rouvre un tout petit peu pour pouvoir justement écourter. Ah oui. Il est mal touché cette volée amortie. Ah oui, quelle défense encore. En deux temps. Oh, après la ligne. Ah, il s'en sort bien quand même sur ce coup. Et break à nouveau sur un jeu blanc. David Dal. Le premier ace de cette rencontre. De 3. Oui. Ah. Pas très appuyé, c'est ce match. Non. Ouais. Bien défendu encore de la part de Gaudio. Superbe. Superbe. Ça se passe de mieux en mieux pour l'Albordion. Superbe. En assez nettement la.
Superbe. Il a un petit peu remis Gaudio en... Voilà, superbe Morty. Ah, bon, deuxième ace. Celui-là, il est le bienvenu. Qui s'observe, qui commettent un tout petit peu plus de fautes. Et on sait que les matchs entre compatriotes sont parfois des matchs un petit peu cordiales et pas parfaites entre les deux Argentins, on le sait. Il a servi une double faute suivie d'un premier ace pour Gaston Gaudio. Il remporte. Jouer assez court. Ouais. Aldebrecht en faveur de Gaudio. Travailler et qu'il oublie un tout petit peu ses passages à vide. Parce que là maintenant, d'un seul coup, je peux vous dire que Gaudio va jouer absolument tous les points. Complètement derrière lui en déséquilibre. Ah oui, là, c'est bien fait. Et ce sera donc une balle d'égalisation. Bien fait. Ouais, bien fait en plus, c'est je pense le service qui lui a rapporté le plus de points depuis le début du match. Ah oui, parfait. C'est mieux. Exceptionnel encore ce revers, on l'a déjà dit, il n'y a pas beaucoup, pas assez de super. Bien joué.
Et après, une nouvelle fois, c'est lui qui est plus performant. Eh oui, superbe. C'est lui qui est en confiance actuellement, Gaston Guerrero, c'est bien normal. Et c'est quand même lui qui... le deuxième aussi est sauvé. C'est bon, Dion. Oui, pour l'instant. Ah, oui. Superbe. Parfait. Avec son revers. Il s'est permis de monter au filet pour conclure Gaston Guerrero et à la surprise générale, c'est donc lui qui, après avoir été mené 5 jeux à 1 dans ce deuxième set, prend un très net ascendant maintenant dans cette première. De gauche à droite, on sert de droite à gauche, confusion. Ceci étant, à l'arrivée, c'est Guerrero qui, pour l'instant, domine ce match, domine par son tennis. Il fait très peu de. Ouais, ça va faire du bien David Nalbandian. Ouf. Peu de réussite. Ouais, beaucoup de réussite parce que là elle est... Non, il est clair qu'il n'a pas du tout digéré le scénario de la deuxième manche, David Nalbandian, qui cède. Ouais. Facile. Facile, effectivement, ce jeu de service pour Gaston Guerrero. Splendide encore. Avec la confiance encore plus. Peut-être le dernier jeu de cette rencontre. Gaston Guerrero qui mène 5-0 dans le troisième set et par 2 manches à 0. Il remporte également le premier point ici. Parfait. 3 balles de match en faveur de Gaston Guerrero. C'est terminé. Gaston Guerrero en finale de Roland-Garros. Incroyable, il y avait vraiment une cote en début de tournoi. Il y en avait même une aujourd'hui. Il n'était pas favori. Il a su dominer en 3 manches. David Nalbandian. Coup de main plutôt sympa entre deux hommes qui, on le disait, a priori ne s'apprécient pas trop. Et Gaston Guerrero qui vit un rêve, bien sûr, dans ce tournoi de Roland-Garros. Victorieux en 2h25, 6-3, 7-6 et 6-0. Des larmes d'émotion et de joie pour Gaston Guerrero.